Comme frérot. Ayakallah. On t'entend pas bien là. Non, vous m'entendez pas bien là? Ah là, c'est bon, c'est bon. Tu m'as dit Bien. quoi? Tu nous as manqué. Ouais, vous aussi, ouais, je suis désolé, Des j'étais prêt à la dernière seconde. Hein? punchlines en douceur. Ah frère. Salam Comme salam, alaykoum. Salam il va arriver. La question c'était quand un frère il a une première femme qui vraiment elle veut pas, qu'est-ce qu'il doit faire? bah déjà, comme il a dit Abdullah, voir vraiment sa situation à lui, c'est-à-dire s'il prend une deuse, pourquoi? Il est dans quel cas, on va dire. Et ensuite, bah forcément, tu es obligé de passer par de la pédagogie. Tu peux pas. En fait, comme il disait là, Abdullah juste avant la coupure, c'est le fiqh. Le fiqh, quand on parle jurisprudence, etc., c'est pas tu viens, tu sors un livre, tu dis, tiens, regarde la condition 8, c'est ça, c'est bon, tu vois, je fais ce que je veux, tu vois ce que je veux dire. C'est pas condition, règle, obligation, sunna, etc. Ça, c'est mécanique. Il y a des êtres humains devant toi, tu vois. Si tu sais que la personne en face de toi, elle veut pas, ou que ça va la blesser, ou ceci, cela, etc., eh ben, il y a le fiqh d'un côté qui a le droit, par exemple. Mais il y a aussi la pédagogie, la bonne entente avec les gens. Tu vois? Je sais pas, je vais donner un exemple. Imagine, je vais donner un exemple bête, hein, t'as vu? Imagine que j'ai dans mon droit, j'ai le droit de te voler de l'argent. Imaginons, t'as vu? J'ai le droit. Je suis pas obligé, mais j'ai le droit, tu vois. Je viens, je vais te voler ton argent. Est-ce que tu es content? Malgré que j'ai le droit. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des conditions. Si tu prends toutes les règles de fiqh comme ça, tu dis par exemple, t'es pas obligé de la prévenir. Mais toi, tu sais qu'elle veut pas. Tu sais qu'elle veut pas. Est-ce que tu vas te dire, ah, moi, il y a une règle qui dit que je suis pas obligé, je le fais, puis on verra après. Tu vois ce que je veux dire? En Ah fait, oui. faut pas prendre les règles comme ça, les livres, et tu viens, t'appliques à tout va, comme ça, c'est n'importe quoi, tu vois. C'est Et regarde, je vais n'importe donner quoi. l'exemple d'un frère que je connais ici. Il est marié, il a un enfant. Et d'un fois, je l'invite à la maison et tout. Et il me dit, ouais, ça y est, là, je me suis marié. Je dis, ah ouais, déjà, tu vois. Et bon, bref, s'il se marie dans les règles et tout, moi, je suis content pour toi, tu vois. Mais après, quand il m'explique. Tu vois, il me dit qu'elle est au. C'est quoi un pays à côté de la Martinique, un truc comme ça? Guadeloupe, Non, Cuba, pas. République dominicaine. Ah, la République dominicaine, exactement. Donc nous, on est en Carrément. Égypte. On est en Égypte. Elle est en République dominicaine. C'est une ancienne. Sa mère, elle est chrétienne. C'est une convertie. Sa fille, c'est une convertie, tu vois. Et elle l'a épousée donc à distance. Je sais pas comment ils ont fait, mais bon, Machallah. voilà, tu as vu à distance, tu vois. Et elle a 17 ans, d'accord? Il attend qu'elle ait 18 ans pour qu'elle puisse voyager seule, le rejoindre. Et après, il me dit quoi? Parce qu'il n'a pas voulu me demander avant de faire tout ça, parce qu'il savait que je l'aurais détruit avant qu'il fasse, tu vois. Et il m'a dit, à ton avis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le dis à ma femme ou pas? Tu vois? Il me dit, je sais qu'elle va pleurer, qu'elle va truc. Et il dit quoi? C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que la deuxième, là, ils les prennent trop comme des mouchoirs. Genre, c'est des options. S'il y a un problème, tu sautes. Il a dit quoi? Il a dit, si jamais elle est bloquée dans son voyage, parce qu'elle doit faire République dominicaine, New York, l'Égypte. Si elle n'arrive pas à venir. Bah, il s'est rien passé, j'ai pas besoin de prévenir ma femme, tu vois. C'est ça, tu vois, C'est moi ça m'énerve des trucs un comme truc ça. de ouf, tu vois. C'est un truc de Voilà, ouf. c'est un truc de fou, ça. C'est un Ah, truc de fou, ça. Ils ont dit, c'est encore une femme qui a été contactée pour aider à part loyer, etc. Tu sais, là, c'est sans majeur.
De quoi, En de quoi? Égypte. Non, en fait, le problème, c'est qu'il y a des frères, quand ils prennent des secondes épouses, et même quand ils se marient tout court, ils ne prennent pas en considération l'importance du mariage et l'impact que ça va avoir sur leur famille, la famille de la sœur. Exactement. Il y avait une sœur qui s'est plainte comme ça, elle a dit, oui, elle a entendu un frère. Le frère, il était du même pays qu'elle. Elle a dit, j'ai dit, superbe. Elle a dit, moi, je t'ai converti. Et aussi, j'étais parti en Égypte, etc. Elle a dit, je me suis lancé, je me suis marié, etc. Elle a dit, dans la polygamie, elle a dit, subhanallah, elle a dit, j'ai regretté. Elle a dit, j'ai regretté. Elle a dit, subhanallah, tu vois, le frère était malade, il m'avait pas dit. Et, subhanallah, tu vois, elle a sorti beaucoup de choses, tu vois. Et après, elle s'est mariée encore avec un deuxième frère, pareil, dans la polygamie. Et elle a sorti converti. La soeur, elle a On dit, s'entend pas bien, ces oui. frères. M'entendez pas bien? T'as la Ouais, fenêtre ouverte ou quoi? on est un peu loin. Ah ouais, attendez, attendez. Parce qu'il y a le ventilateur, il y a encore chose. Et la soeur, donc, c'était une convertie. Et elle a dit aujourd'hui, ma mère, elle ne veut plus entendre parler de musulmans. Exact, ouais. Mère, elle ne veut plus entendre parler de musulmans en là-bas. C'est sûr que les Exact. frères vont se marier avec des soeurs converties parfois, ils vont se marier dans la polygamie. Ils savent pas que chez les non-musulmans, tu sais, les gens, ils vivent 10 ans ensemble avant de se marier. Quand tu vas, toi, moi, quand je veux me marier, ma mère me dit, pourquoi tu veux te marier alors que tu es jeune, etc. Pour eux, le mariage, tu vois, ils voyaient ça comme une grande chose, c'est une finalité, tu vois. Tu as vécu avec la personne longtemps, etc. C'est-à-dire que lorsque tu vas te marier à la vite comme ça et que tu ne restes pas avec la personne longtemps, pourquoi ils ne comprennent pas? Et ils voient qu'au bout de 1 an, 2 ans, la personne s'est mariée, tu es jeune, tu vas te marier en polygamie, ils ne comprennent pas tout ça. Et en plus de ça, les frères, à ce moment-là, ils ne prennent pas en considération l'impact que ça peut avoir sur les familles, etc. Exactement. Et les divorces comme ça, c'est une mauvaise daroua pour l'islam, en fait. Je ne suis pas contre. Au final, c'est beaucoup de frères, tu as beaucoup de frères. Ils ont des enfants là-bas, ils se marient, il a des enfants là-bas, ils se marient, il a divorcé, tu vois ce qu'il travaille. Ouais, exactement. Puis surtout, si justement tu prônes le fait d'être un homme, bah tu te dis, écoute, ouais, moi je suis marié, qu'est-ce qu'il y a? Et si tu dis à ta femme, je prends une deuxième, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois ce que je veux dire? Après, bien sûr, pas C'est aussi ça en fait. brut, tu vois, mais tu dis, moi j'ai envie, je me Et marie. C'est t'assumes. quoi le problème? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Moi, je suis d'accord avec Abou. C'est un droit. Pour toi, c'est normal. C'est un droit d'Allah. Mais moi, je vois pas pourquoi tu caches quelque chose qui est un droit d'Allah. Si Exactement. vraiment tu l'assumes, bah, tu viens, tu poses ton épouse, tu dis, écoute, moi, je vais prendre une deuxième. On en discute. Après, tu vas commencer à dire, toi, tu veux pas pourquoi? Tu essaies de voir, tu diagnostiques le Bien problème. sûr, bien En sûr. fait, de temps en temps aussi, les frères, ouais, tu veux pas deuxième, Aoudoubillah, t'as pas de foi, t'es pas une bonne musulmane. Ouais, On grave. va dans des raccourcis trop rapides. Tu vois, on va dans des raccourcis Exact. trop rapides, on Ouais, dirait tout est blanc, tout exactement. est noir, tu vois. À un moment, Exact. tu te poses, tu dis, c'est quoi tes craintes? C'est quoi, t'as peur de quoi? T'as peur que j'aime plus seul l'auteur, tu commences à parler. Tu vois, tu diagnostiques, c'est quoi ces craintes? Et tu ramènes Exactement. un discours rassurant. Mais Un justement, discours rassurant et Jonas, surtout c'est ça qui un est dur. comportement qui montre que tu es en accord avec ce que tu es en train de dire. Exactement. Ton comportement montre qu'effectivement tu es équilibré et tu sais faire la part des choses. Ça, C'est tout. c'est de la maturité. Ça veut dire que tu te prends la tête à discuter, etc. Alors que la facilité, c'est quoi? C'est de dire, ah écoute, j'ai lu dans un livre, je suis pas obligé de lui dire, je le fais, et voilà, tu vois ce que je veux dire. Tu me prends pas la tête. Et s'il y a un problème, je divorce la deuxième. Tu vois, c'est de l'immaturité. Je pense qu'une femme qui aime Allah et son messager, une femme qui a une petite once d'iman, qui croit au Coran, qui croit à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle partira pas si l'homme il est bon, même s'il est polygame. J'ai bien dit une femme qui aime Allah et son messager. Ouais, bien Si l'homme il sûr. est bon, même s'il fait la polygamie. Parce que les femmes, voilà, en vérité, c'est la jalousie. À partir du moment où toi, tu rassures la femme en étant un homme, un vrai, qui assume et en même temps, voilà, qui est ferme et en même temps qui lui montre qu'il tient à elle. Parce qu'en vérité, la femme, quand elle est jalouse, elle veut juste savoir si l'homme tient à elle, tu vois. Si l'homme C'est il fait ça. ça,
Normalement, voilà, on ne dit pas qu'il n'y aura pas de la jalousie, il y aura des zones de turbulence. Mais voilà, le C'est pilote, il ça, est là, il essaie c'est de pour ça qu'il remonter faut être l'avion. mature. C'est pour ça qu'il faut être mature. Si tu n'es même pas mature au point de prévenir la première, ça va être quoi quand il y aura des embrouilles? C'est pour ça, moi, pour moi, c'est pas des problèmes. Et puis, tu sais, il y en a, faut dire la vérité, il y a des frères, ils veulent prendre une deuxième. C'est pour ça que moi, chaque fois, je demande, comme je te l'ai dit, moi, je veux diagnostiquer à chaque fois pourquoi le frère, il veut prendre une deuxième. Il y en a, c'est des caprices aussi. Moi, je parle pas avec l'exemple que tu as donné à Boumoura de République dominicaine. Mais moi, je comprends pas pourquoi il va aller jusqu'à là-bas, la République dominicaine. C'est quoi, frère? Il a entendu Latina, je sais pas qu'est-ce qu'il veut. Moi, je sais pas, frère. Tu vois ce que je veux Peut-être, dire? exactement. À un moment, tu vois pas plus loin de ton nez. Tu vois? À la base, si on revient, la Peut-être polygamie, elle est de descendue, comme on l'a collection, dit, tu elle est vois. descendue dans un esprit beaucoup plus large, beaucoup plus. Et surtout que, après, de temps en temps, il y a certains frères, j'ai envie de dire, c'est de la malhonnêteté. Tu as envie de prendre ta petite Latina, mais après, tu commences à exposer de, oui, mais tu sais, il y a des sœurs en galère, il y a plus de sœurs, tu veux ramener le problème, tu veux ramener comme si toi tu es là pour trouver une solution à un problème sociétal dans la communauté, alors qu'en vérité tu veux juste ta petite Latina, tu es en train de te tromper à toi-même. À un moment, faut qu'on soit honnête avec Au nous-mêmes, cas où, c'est tout. je précise, c'est pas un frère de France, hein, au cas où. Peut-être on croyait que c'est un frère de France, c'est pas un frère de France. Ils vont commencer à attaquer les frères de France. Ouais, Exactement, ouais. Non, non, c'est pas un frère de France, non. les frères 2.0. Après, pour parler aussi du côté des sœurs, c'est facile de toujours sortir les mauvaises histoires, en sachant que malheureusement, bah, quand il y a une mauvaise histoire entre deux personnes, faut écouter les deux avis et pas toujours l'avis que de la sœur, la pauvre sœur abandonnée, par le monde entier, etc. Tu vois? Faut toujours avoir les deux avis. Parce que depuis tout à l'heure, dans les commentaires, et là, ils taquent les frères. Ouais, les mêmes amis. Exactement, On ne sait pas faut qu'est-ce qu'ils mettre ont fait. un petit tacle, une petite pichenette aux sœurs aussi. C'est quoi? C'est que Allah, dans le mariage, il vous a donné des droits. À partir du moment où ces droits, ils sont respectés, cherchez pas plus. Vous avez vos droits, donc votre mariage, il est réglo. Si le mari a le droit de prendre d'autres femmes, c'est son droit, vous n'avez pas à rentrer dedans. Il est là le problème, en fait. C'est que tu as trop de sœurs qui, maintenant, limite, tu sais, quand elles te disent, par exemple, oui, tu peux prendre une deuxième, d'accord, etc., mais tu vas prendre une de 75 ans qui a 15 enfants. Tu vois ce que je veux dire? Bah, frère, je fais ce que je veux. Tu vois ce que je veux dire? Elle te sort que des C'est cas, ça. des vieilles et des trucs. Mais frère, il faut qu'elle me Elle plaise. a pas Tu vois une ce que je soeur veux en dire? story, elle a dit oui, moi, mon mari, s'il prend une deuxième femme pour faire une veuve ou une malade, etc. Là, Ouais, je lui ai dit, mais voilà, là, exactement. je lui ai dit, ouais, elle a dit, non, j'accepte pas. Je lui ai dit, ouais, là, t'es en train d'infantiliser ton mari, là. Tu Ouais, c'est ça. l'infantilises. C'est toi qui C'est t'as pas pas cool. ton mot à C'est pas dire. cool T'as pour pas une ton soeur mot pour à ton dire. mari. Même s'il veut prendre trois autres jeunes vierges, il fait ce qu'il veut. C'est quoi le problème? Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, faut prendre des femmes en fin de vie. Tu vois ce que je veux dire? Faut qu'elles me plaisent. Tu vois? Comment tu vas être droit avec elle si tu prends une qui te plaît pas, qui peut plus avoir C'est ça. d'enfants, qui je sais pas, tu vois? Donc, faut pas rentrer dedans, Non, mais quoi. de toute façon, pour moi, tu as dit en fait, le problème de la sœur, c'est que elle doit vérifier scrupuleusement de choisir un Ah homme bah, juste. C'est ça son exactement, problème. C'est exactement. tout. Ça veut dire son problème, il est dans là. Il est dans ça. C'est Parce que de ça. temps en temps, moi, je l'ai dit tout à l'heure quand ça a bugué. Je le dis, ça demande, est-ce que tu veux. Et en fait, c'est là que moi, je viens dans. Mais pourquoi elle dit non? Parce que si tu me dis, tu prends comme prétexte, non, je dis non parce que et les frères, ils sont pas juste ceci, ceci, cela. Ben, quand toi, tu poses la question, oui, est-ce que tu veux être polygame? Mais normalement, pousse ta question. Est-ce que tu es polygame? Est-ce que tu as réfléchi sur cette chose-là? Est-ce que tu te sens capable? Quand toi tu considères, quels sont les éléments qui te permettent de dire que tu serais capable? Normalement, tu pousses ta Exactement, question. ouais, exact. Tu pousses ta question. Mais là, ça pousse pas la question. Tu veux être polygame? Salam alaikum. Ça fuit. Tu vois? Ouais, Ça fuit. exactement.
Maintenant, moi, la question que je me pose, à un moment, il faut être honnête avec soi-même. Est-ce que tu refuses parce que tout simplement, tu ne veux pas? C'est de Parle l'ego, clairement. c'est de l'ego, c'est de l'orgueil. Voilà, dis-nous, tu as du dégoût. Dis-nous que ta perception du mariage, elle est totalement monogame. Comme ça, on va s'asseoir. Exact. On va te montrer que islamiquement, la norme du mariage islamiquement, c'est la polygamie. Et après, libre à toi de suivre la voie de la sunna. Attends, juste après, je rebondis vite fait, Abdullah. Là, il ne faut pas oublier. Comment ? Juste qu'on remette des choses à leur place. Allah n'a pas autorisé 4 femmes. Il a limité à 4 femmes. C'est-à-dire qu'avant cette limitation, c'était beaucoup plus. C'est pas comme si là-bas c'est 1, comme nous on connaît, et tu as le droit d'aller jusqu'à 4. Non, quand l'islam est arrivé, on a limité à 4. Ça veut dire qu'à la base... Je t'ai dit qu'Abou Mouad, il est fâché, hein, Mohamed Nabil. Abou Mouad, fais attention à ce qu'il vient de dire. Hein. Abou Mouad, il vient de dire un truc très, très puissant. Ça va finir en ruine. Parce que, attention, Abou Mouad, il vient de dire quelque chose de très, très puissant. À la base, même l'homme, il prend plus. Exactement. Mais c'est Allah qui a réduit la ligne. En fait, c'est une réduction. Le 4... C'est pas t'augmente, c'est une réduction. Exactement. Attention, pas mal. Hein. À un moment là, t'as des petits crochets, hein, frérot. Même quand tu prends les pieux prédécesseurs, subhanallah. Mais aujourd'hui, tu vois, nous on est là, tu vois, il faut dire ce qui est, c'est des vérités qui sont vraies. Et que les prédécesseurs, ils avaient leurs épouses et en même temps, à côté de ça, ils avaient des esclaves, tu vois. Donc, ça veut dire que l'homme, il consommait énormément avec plusieurs femmes. Il ne faut pas avoir honte de dire que ça fait partie de notre héritage islamique. Aujourd'hui, l'homme, il est restreint par rapport à l'homme d'avant. Et c'est pour ça qu'on est même moins des hommes. C'est que les femmes d'aujourd'hui, en vérité, elles doivent s'estimer heureuses qu'un homme, il n'ait que 1, 2, 3 femmes. Parce qu'à l'époque, subhanallah, ils allaient au combat. Subhanallah, ils avaient leurs épouses. Et rectifiez-moi si je me trompe. Les esclaves, c'est même, il n'y a pas de nombre limité, tu vois. Là, ouais, je crois qu'il n'y a pas de limite. Il y a pas de limite dans les esclaves. Il y en avait des 200, des 200, 300. Imaginez-vous. Franchement, mes sœurs, aujourd'hui, là, franchement, estimez-vous heureuses. Estimez-vous heureuses. Parce que, subhanallah, aujourd'hui, les hommes, en fait, c'est rien. Avoir 1, 2, 3 épouses, c'est rien. Et, subhanallah, quand tu regardes les femmes dans la dunya, eh frère, subhanallah, il y en a, elles se font tromper avec tout le monde. Et wallahi, t'as des non-musulmanes, elles disent quoi? Elles disent, écoute, en Afrique, ils ont encore cette fitra-là. T'as parfois certaines non-musulmanes qui disent, écoute, je préfère que mon mari, il ait point de ses co-épouses, au moins je sais avec qui il est, qu'ils appellent ça les tchizas, qu'il aille chez les tchizas, qui me ramène des maladies, etc. Moi, il a mes co-épouses. Je bois le café avec mes co-épouses. Je sais avec qui mon mari dort. Subhanallah. Donc, franchement, en vérité, les femmes de nos jours, elles doivent vraiment s'estimer heureuses parce que certaines femmes, subhanallah, des fois, en plus, certaines soeurs, elles disent, oui, tu vois le truc, oui, nanani, le profil de mariage, la soeur, elle dit, oui, j'ai appris le Coran, minhaj, moi, je veux la hijra, nanana, critère rédhibitoire, la polygamie. Pendant la sœur, j'ai appris le Coran, j'ai fait ci, j'ai fait ça, subhanallah, tu vois. Mais toi qui suis la sunna, mais tu aurais fait comment à l'époque des pieux prédécesseurs? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il part en voyage, il revient, il est marié, il part en voyage, il revient avec des esclaves, etc. Et ça fait partie de l'héritage islamique, il ne faut pas avoir honte, c'est comme ça. En fait, le problème, c'est que, parce que là, j'ai vu un commentaire du frère. Elle a dit, les frères, j'ai pas envie de vous insulter, mais votre nature, à Starfall. Elle a dit en ça? En fait, c'est comme si pour elle, et moi, c'est dégradant, ça. Elle a dit ça? Bah, en fait, tu vois, mais le problème, il faut qu'on soit là. Il faut qu'on parle clairement.
C'est peut-être dégradant pour certaines sœurs, mais pas pour Allah. Puisque Allah, il y a des hadiths, il y a des sources où même il t'explique qu'au paradis, tu auras des capacités physiques dans les rapports intimes décuplées. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il met ça en évidence? Ça, il faut qu'on parle clairement. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala met ça en évidence? Pourquoi même dans le Coran, il décrit les femmes du paradis pour motiver les hommes? À un moment, faut qu'on parle clair. C'est la nature de l'homme. Et Allah fait très bien les choses, à moins que les gens veulent me dire le contraire après ce que vous pouvez leur dire. Non, moi, ce que j'ai envie de dire aux sœurs, c'est qu'ils mettent en avant la jalousie. Mais avant de te marier, ça a coupé, non? Ouais, ouais, non. Un petit peu, ouais. Excusez-moi. Avant d'être marié, de quelle jalousie tu parles? Parce que tu n'as pas d'attachement vers le mari. À vous, moi, il a décidé de cogner aujourd'hui. Attends, t'as dit quoi? T'as dit quoi? J'ai pas entendu. Je t'ai dit, elle te parle de jalousie. Ah, Mohamed, Mohamed Lamine. À vous, moi, il a décidé de cogner fort. Il est monté avec des gants de boxe, ça. T'as dit quoi? Je t'ai dit, elle te sort l'argument de la jalousie avant le mariage. Mais t'es pas attaché à moi. On se connaît pas encore. Comment tu vas être jaloux? Tu vois ce que je veux dire? Ça, t'as raison. Et puis, il te dit, moi, je suis une femme jalouse. Ouais, exact. Ouais. T'es jalouse, c'est quoi? Tu ne me connais pas. T'es pas attaché à moi encore. Tcha Abdallah, t'avais cette question-là. C'est quoi la question? Tu dis que nous avons grandi en Occident. On a une vision de l'amour monogame. Penses-tu que les hommes ayant grandi ici ont aussi cette vision? Si oui, doivent-ils se déconstruire avant de faire la paix? Et c'est là que cette question, elle est magnifique. Elle est magnifique, cette question. Parce que, en fait, c'est ça qui est magnifique. Qu'on soit en France, qu'on soit en Espagne, qu'on soit ce que tu veux ou au pôle Nord, l'homme, s'il pourrait avoir plusieurs femmes, il en veut toujours parce que c'est sa nature. C'est sa nature, c'est sa fitra, c'est comme ça. Il est prédisposé. C'est comme ça. Il est prédisposé, c'est comme ça. Et ça, les sœurs ne veulent pas l'entendre. Et comme la femme, elle est prédisposée à accepter la polygamie. Moi, je suis sûr que toute femme sur Terre, comme j'ai dit la dernière fois dans ma story, toute femme sur Terre est prédisposée à accepter la polygamie, même la femme la plus jalouse. Il suffit que l'homme soit un bon parti. Quand un homme il vient avec de l'argent, comme Abou Mouaz l'a dit tout à l'heure, un homme il vient, il est en place, la femme, même si elle est jalouse, la plus jalouse du monde, elle va accepter. Elle va refuser avec 1, 2, 3, 4, 5. Parce qu'en vérité, ce n'est pas des bons partis avec qui elle pourrait se mettre dans la polygamie. Elle pourrait le prendre en monogamie, mais pas en polygénie. Mais si lui, il est super en place et qu'elle sait qu'elle a des bienfaits à tirer dedans, elle va accepter. Et d'ailleurs, c'est le moment que je vous lise, Inch'Allah, le deuxième témoignage. Rapport à un commentaire, ça a mal été compris ce qu'on a dit. À la base, on parle, tout à l'heure, je l'ai dit, tout à l'heure, on a dit, la nature saine, je reflète, la nature saine de l'homme, l'homme qui a toutes ses facultés est apte à avoir plusieurs épouses. C'est pour ça qu'Allah, il a commencé par. C'est-à-dire qu'un homme qui a toutes ses facultés, normalement, il peut prendre plusieurs femmes. Maintenant, certains hommes, ils ont des anomalies, au même titre qu'il y a des personnes, il y a des hommes, ils sont stériles. L'être humain, de base, il est disposé à reproduire, mais certains cas spécifiques, non, il ne peut pas. En fait, c'est dans ce sens-là qu'on essaie d'expliquer les choses. C'est de base, si on parle d'une manière générale, la nature de l'homme, c'est qu'il est disposé à avoir plusieurs épouses. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle du paradis, il nous donne que l'homme, là-bas, il aura plusieurs épouses. Il y a des sœurs qui disent, oui, on n'est pas tous attirés que par l'argent. Attention, on ne dit pas que les femmes, elles sont attirées que par l'argent. Mais il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir. Un homme qui a un bon parti, c'est-à-dire que ça n'englobe pas que l'argent. C'est pas. Mais il va être un bon parti, ça veut dire qu'il va être intellectuellement, il va être là, religieusement, physiquement,
au niveau de la beauté, et en plus de ça, il est en place. C'est-à-dire que c'est un homme, financièrement, il est en place. Lui, c'est rare. Il va prendre n'importe quelle femme. Faut dire la vérité. Il pourra se marier. Il faut que les soeurs elles puissent accepter cela. Et on le voit. Mitterrand, même pas musulman, mais comme il avait plusieurs femmes. Ouais, Kennedy. Bah, tous. Tu vois, faut que les femmes, les footballeurs, etc. C'est-à-dire que la femme, dès qu'elle voit un homme qui va le sécuriser, toute femme est prédisposée à accepter la polygamie. Il y en a, elles vont être jalouses avec un certain type d'homme parce que elle ne trouve pas assez de sécurité chez lui, donc elle va être jalouse, mais elle va dire lui, non. Mais dès qu'elle va voir un autre homme avec qui elle se sent vraiment en sécurité, même s'il a des enfants, il a tout, elle va accepter. Ça, c'est la nature de la femme. Allah, il a créé comme ça. Juste pour orner ce que tu viens de dire, bah, on va donner un exemple très simple. Si une femme, elle me dit que non, elle, dans toutes circonstances, elle accepterait pas la polygamie, ça veut dire qu'elle est en train de me dire que si elle serait à l'époque du prophète, alayhi salatu wasalam, et qu'il aurait demandé en épouse en polygamie, elle aurait dit non. Et ça, moi, j'aimerais bien entendre une sœur qui me dise ça. Moi, j'aimerais bien entendre une sœur qui me dise, ouais, même le prophète, non, je me dis, le prophète quand même et tout, tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a certaines choses qui lui permettent d'accepter. Exactement. Et donc, on revient à ce qu'a dit Mohamed Lamine. Ça veut dire, ça a coupé? Ça a coupé? Ouais, ça avait coupé. Donc chaque femme, elle est peut-être disposée à certaines choses qui lui permettront d'accepter cette chose-là. Lesquelles? Maintenant, c'est chacune d'entre elles à voir. Hein. Après, on ne dit pas à tout le monde d'être polygame. Hein. Moi, j'ai pas dit ça. Hein. Ah bah non, c'est pas tous. T'as eu une sœur, elle avait envoyé un petit témoignage intéressant, je vais le lire en rapide. Assalamu alaikum. Je souhaiterais témoigner ma première expérience par rapport à la polygamie. Bénéfique pour les sœurs monogames, mais aussi les frères qui souhaiteraient appliquer la polygamie. Et avant de commencer, je souhaite dire à mes sœurs filles là, naam, la polygamie n'est pas faite pour tout le monde, ça c'est vrai. Mais pensez pas que vous connaissez, car non, cela est faux. C'est uniquement Allah Azzawajal qui connaît parfaitement sa créature, de ce qu'on peut accepter, surmonter, et surtout où se trouve notre khayr, notre bien. Donc dire non dans un mariage polygame, alors que le frère vous plaît avec toutes les caractéristiques que vous cherchez, je pense que c'est plus de l'émotion et à cause du pays où on se trouve, qui fait que voilà, on a plus de complexes, Allahu a'lam. Alors que vous avez pas essayé de rentrer en affaire, essayé de chercher sans cesse au refuge auprès d'Allah Azza wa Jal. Je tiens à préciser, j'ai jamais été marié. Je précise cela car peut-être ça pourrait aider certaines sœurs à se remettre en question, que même une sœur jeune, jamais mariée, en très bonne santé, avec tous ses atouts, elle peut accepter la polygamie, la preuve, nos mères de l'islam. J'étais radical à la polygamie et c'était catégoriquement non envisageable de rentrer dans un foyer polygame, peu importe son statut. Un jour, mon frère me présenta un frère. Le frère en question se présente voulant se marier. J'ai hésité dû à son âge. J'ai prié sa istikhara, puis j'ai accepté la muqabala, alhamdulillah. Puis à la muqabala, dans sa façon de s'exprimer, j'ai senti quelque chose de logique. Naam, ça m'a interpellé, c'est-à-dire un homme très responsable. Donc je lui pose la question directe. A-t-il déjà été marié? Car j'avais l'impression qu'il a déjà été marié et qu'il avait des enfants, à savoir juste une personne qui ressent les choses qui semblent étranges. Il m'explique effectivement qu'il est marié avec des enfants et cherchait une seconde épouse. J'étais pas choqué pour dire la vérité. Et dans la minute qui suivait, j'ai voulu quitter le groupe, mais il m'a très vite rattrapé avec un vocal extrêmement long, mais clair net, c'est-à-dire il m'a extrêmement rassuré. C'est un vrai homme de parole très responsable et c'est tout ce qu'une femme recherche. Non. Car contrairement aux frères, les sœurs recherchent plus le digne et le comportement, un homme de parole est responsable. C'est-à-dire, ses intentions du mariage, il m'a extrêmement rassuré.
que ce soit digne comportement professionnellement, etc. Suite à ça, il m'a demandé de ne pas refuser sa demande, prendre le temps de réfléchir avant de dire non, etc. Donc, là déjà, il m'a montré qu'il était très intéressé et tout simplement en me valorisant, il s'est vraiment vendu dans le sens propre. Je me renseigne sur cette personne et il s'avère que ça collait avec ce qu'il me disait. Il a expliqué qu'il avait directement dit à sa qu'il cherchait une deuxième. Attends, s'il m'avait expliqué qu'il m'avait expliqué directement qu'il cherchait une deuxième, j'aurais pas accepté la rencontre. Et effectivement, là, j'ai accepté. J'étais extrêmement choqué de ma personne, juste l'acceptation de rentrer en affaire avec un homme marié et beaucoup d'enfants. Par Allah, j'étais très choqué de ma personne ainsi que mon entourage. Allahu Akbar. Et sans prétention, il y avait des monogames qui cherchaient à me marier. Je précise cela uniquement pour montrer à quel point j'étais pas prête à accepter ce mariage en polygamie. La monogamie, ça me disait plus rien. Et voilà. Il y avait des monogames qui souhaitaient me marier. Je dis ça. J'étais prête à accepter ce mariage en polygamie. La monogamie, ça me disait plus rien. Je voyais mon bonheur dans la polygamie. Alhamdoulilah, quand tu fais les choses pour Allah Azzawajal, que tu cherches refuge auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala uniquement, tu demandes l'aide d'Allah Azzawajal uniquement, Subhanallah, tu te surprends, car certes, c'est uniquement Allah Azzawajal qui met cela dans les cœurs de ses créatures. Allah fait certes ce qu'il veut de ses créatures, et c'était une très belle stratégie, sans mensonge, sincérité et véridique. Soyez des vrais hommes et les sœurs, réfléchissons avant de dire non à la polygamie. Tout de même, à faire très attention de nos jours, parce qu'il y a trop de menteurs et de menteuses. Ils te sortent de belles paroles, mais les actes, c'est une catastrophe. Pas l'habitude de parler, mais je tenais vraiment, mais vraiment à partager cette expérience qui m'a marqué à vie. Une très bonne expérience. Alhamdulillah. Un témoignage émouvant. Deuxième témoignage que j'ai reçu. Mais elle s'est mariée ou pas? Parce qu'il y a des commentaires dans le final, elle s'est mariée ou pas? Ben, je sais pas, franchement, je sais pas. Je pense, vu qu'elle a dit très très belle expérience qui m'a marqué à vie, donc je pense que la soeur est sûrement mariée, tu vois. Mais je trouve que c'est des bonnes expériences, parce que malheureusement, on entend toujours, oui, pardon, tu vois, on entend toujours, subhanallah, quand c'est la monogamie, il y a plus de divorces monogames, déjà, faut le dire. Et quand il y a des problèmes dans la monogamie, ça ne fait pas autant de bruit quand il y a des problèmes dans la polygamie. Pourtant, dans la monogamie, parfois, tu as des gros divorces, tu as des gros problèmes, etc. Mais ça fait pas la une des chartes. Mais là, quand il y a des problèmes dans la polygamie, ça fait la une des chartes, oui, etc. etc. Donc, Exactement. ça fait plaisir, ces retours d'expérience-là. Moi, je ne sais pas ce que vous en Après, pensez, mais moi, ça fait vraiment plaisir. c'est acceptable dans la monogamie, mais pas dans la polygamie. Exactement, exactement. C'est vraiment ça. Taïb, bon, il y avait encore des questions, hein, il y a encore des questions. Ah ouais, une question, ah, une question par Abou Suleiman, depuis tout à l'heure, on l'a pas entendu. Ah, c'est le genre de questions qu'il aime bien, Abou Suleiman. Ai-je le droit de consommer avec les deux la même nuit? نعم نعم كان النبي عليه الصلاة والسلام يسوق على أزواجه le prophète صلى الله عليه وسلم il faisait le tour de ses femmes dans une seule nuit نعم Ma c'est un sha'Allah. Mais vous savez qu'est-ce qui est beau dans ce hadith-là? وبغسل واحد avec un seul غسل Mais vous savez qu'est-ce qui est beau dans ce hadith-là? C'est que le hadith, il a été rapporté par Aïcha, radiallahu anha. Ça veut dire que la femme la plus jalouse, elle rapporte que son époux, il consomme avec ses épouses et ben en une seule nuit. Attends deux Ça montre secondes, que Malienne Musso, là, c'est un frère ou une sœur? c'est une sœur. Mousso, ça veut dire une femme. Je connais un peu le Bambara. Ah, d'accord, ok. Donc elle a dit quoi? Il y a trop de commentaires, c'est terrible. Non, elle voulait témoigner, c'est pour ça, moi, c'était un frère ou une sœur. On peut accepter les témoignages, il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Et
طيب Abou Suleiman, ouais. Pouvez-vous répondre à la question posée? Dans la bulle, quelle bulle? Laquelle? Il y a Sœur Anoïe. Dans cette situation, c'est moi qui voulais témoigner. Il y avait le témoignage d'une femme qui a marié son mari à 3 reprises et après elle s'est fait jeter. C'est quoi ça? Ouais, parce qu'il n'y avait plus de place pour une 4e après. Pour ça. Long stand. Ah, mais on te sort toujours les cas incroyables, frère. On te sort toujours des cas. C'est dommage. Bon, il y avait des questions là. Là, il y avait des questions. Où on prend les témoignages? Prends, vas-y. Bon, Abou Suleiman, je te fais descendre quelques minutes. Vas-y, Allah. Vas-y, bismillah. Si c'est une sœur, il faut qu'elle cache son visage. Elle ne montre pas son visage, je vous précise bien. Elle m'a un écran noir. Ouais. Voilà, ouais. Comment je fais ça déjà? Je sais même plus comment ça marche. Bah attends, je coupe et je reviens. Je m'en vais. Attends. Hop. Vas-y. Est-ce que, quand vous dites les cas isolés, c'est pas des cas isolés, est-ce que vous allez arrêter de chercher à vous marier ça veut... à cause de tous ça les, veut dire quoi, les cas isolés monogames? Ça, c'est des... Papa, ça, c'est des prétextes. Ouais, bien ça, sûr. C'est des prétextes. Bien sûr. Ça, dans la monogamie, on entend des dingueries tout le temps, on entend tout le temps. Ça pilule, mais on veut toujours se marier. C'est des prétextes. Choisis un mari juste, recherche bien, sois encore plus vigilante dans la polygamie et consulte tes frères, consulte les hommes de ta famille, et voilà. Et vaut mieux quoi? Vaut mieux un mari bien polygame ou un gamin en monogame? Tous les jours, j'entends des dingueries dans le mariage monogamique. Ouais. Mais j'ai jamais entendu une sœur, c'est bon, je me marie. Exactement. Tous les jours, moi, j'entendais des histoires de malades. Malien Mousseau qui avait demandé d'intervenir. Je ne sais pas si... Il y a Malien et sœur anonyme. Je ne sais pas, ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Ça met 3 invités. C'est elle qui trouve ça. Je sais pas, ça marche pas. Bon, Khel, c'est pas grave. En attendant, on va répondre aux autres questions. Question. Si la mère du mari polygame tombe malade, c'est-à-dire qu'il faut que le fils, la prenne en charge pour s'occuper d'elle. Il faut que le fils la prenne en charge pour s'occuper d'elle. La mère va-t-elle chez la première, la deuxième, la troisième ou sa belle-fille préférée? Mais ça dépend de comment ça se passe. Les gens, ils en discutent entre eux. En fait, de temps en temps, tu as l'impression quand on parle de la polygamie, on dirait que c'est l'armée. Il y a des règles. Le verre, quand tu es polygame, tu dois le poser là-bas. Le verre. Non, ça dépend. Déjà, ça dépend, la maman, elle sera à l'aise chez qui, où, dans quelles conditions, tout ça. Ça, c'est du cas par cas. Il n'y a pas de précision dedans dans le cirque. Il n'y a rien sur ça. C'est à eux de voir toute la famille se concerte et ils essayent de voir la meilleure solution pour la maman, c'est tout. Masha'Allah. Hassan Allah, il est comme les frères. Un frère qui souhaite faire la polygamie dans un pays du Maghreb où la polygamie est interdite.
je sais pas si il veut dire quoi au final aussi. C'est comment? Est-ce qu'il a le droit? Est-ce qu'il a le droit ou pas, c'est ça? Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il entend par cette question. S'il demande est-ce qu'il a le droit de le faire, ça dépend le cas. Ça dépend le cas de chaque frère, c'est encore un cas. Là, si le frère il ressent forcément le besoin, il peut tomber dans l'interdit, que ce soit interdit ou pas, c'est encore plus interdit de faire l'adultère. Hein, donc, il se préserve du péché, c'est tout. Maintenant, entre-temps, il y a aussi, de temps en temps, tu me dis, dans les pays du Maghreb, on te dit c'est interdit, mais par exemple, au Maroc, il y a 8 femmes pour un homme. Ah ouais, carrément. Il y a 8 femmes pour un homme, moi, les dernières statistiques que j'ai vues, il y a 8 femmes pour un homme. Et là, je viens de voir les statistiques, il y a peut-être 2 semaines, il y a 8 femmes pour un homme. Et toi, tu es dans un pays où quand la femme, elle n'est pas mariée, pour elle, c'est comme si elle n'a pas de statut. Donc, les femmes là qui ne sont pas mariées, elles vont essayer d'avoir les hommes mariés dans l'illicite. Maintenant, tu fais quoi là? Quelle alternative tu nous mets face à cette turpitude grandissante? Tu fais quoi? Quelle solution tu as à nous prendre? Parce que l'État a dit que c'est interdit, toi tu laisses la turpitude. Ben, ça dépend. Maintenant, ça dépend cas par cas. Les frères et sœurs, les questions en commentaire, je ne les vois pas. Il y a trop de commentaires. Donc, envoyez les questions plutôt dans la boîte à questions là. Demande à la personne de demander à monter. Bah, je sais pas, c'était Malienne Musso, mais je sais pas où. C'est une sœur anonyme. Ouais, c'est. Elle s'en est évaporée. Tu les vois pas quand tu défiles? Non. Taïb, il y a une question là. C'est où cette question? Par rapport à la... il y a un commentaire qui a dit problème, la deuxième elle n'aura pas le droit à l'héritage. Après, dans ce genre de choses, déjà la priorité avant de parler d'héritage, la priorité c'est de pas rentrer dans l'interdit, dans le haram. Si cette fille là qui est en deuxième, elle tient à son héritage avant de tenir à ne pas tomber dans l'adultère, c'est un procès problématique. Là, c'est la première des choses. Deuxième des choses, le mari, moi, je connais des personnes. Comment? Ça pense déjà à l'héritage. C'est ça, en fait. J'allais dire ça, ça pense déjà à l'héritage. Mais entre temps, le mari peut être prévoyant. Il y a des maris, il y a des hommes. L'argent. Il y a zéro lien avec l'argent. Toi, t'es mort, okay. Toi, t'es décédé, mais ils sont où tes sous? Tu vois? Mais en tout cas, le mari, il peut être prévoyant, il y a le testament. Dans le testament, il peut léguer telle chose. Il peut léguer une chose à quelqu'un, même si ce n'est pas son épouse. Hein. C'est à lui d'être prévoyant, c'est tout. Ouais, c'est lui, s'il est juste, il est prévoyant, il fait ce qu'il a à faire. Au fait, le problème, c'est que de temps en temps, on dit des choses comme s'il n'y a pas de solution. Moi, ce qui me fait rire, c'est que nous, dans la dounia, même dans les choses les plus difficiles, on arrive à trouver des solutions. Bien. Mais là, bizarrement, on dirait que toutes les portes sont fermées. Non, mais à un moment, voilà, si il faut qu'on trouve des alternatives à des problèmes sociétaux. Et là, c'est un problème sociétal qui est très très grave et qu'il faut régler ce problème-là. C'est tout. Concernant une sœur qui veut, mais ses parents ils veulent pas, qu'est-ce qu'elle peut faire? Comment? Une sœur qui veut, mais ses parents ils veulent pas. Ah, patiente. Ouais, patiente. Hein. Tu vas te mettre tes parents à dos. C'est vrai. Tu vas pas te marier. Tu ne te maries pas pour briser une famille. Exactement. Le mariage, il est pour agrandir la famille. Moi, de temps en temps, j'entends des histoires. Je suis un peu choqué. Toi, tu vois, pour un pseudo-prétendant ou pour autre chose, toi, tu es là, t'es prête à couper les liens avec tes parents qui t'ont élevé, ils t'ont éduqué, ils t'ont fait grandir. Franchement, après, il y a des cas spécifiques. Attention, il y a des cas, on sait que c'est très, très... les parents et son truc. Moi, je parle de manière générale, que ce soit fait avec autant de facilité. Moi, franchement, j'aurais peur, moi, de marier avec une femme comme ça. Qui vient, elle est capable d'abandonner son papa, comme d'abandonner sa famille qui l'a totalement éduquée. Moi, qui me dit qu'elle elle va rester avec moi, moi, j'ai aucune garantie, moi. Moi, j'ai aucune garantie, moi. Moi, j'aurais peur. Tu as eu une personne qui veut témoigner, là. Je sais pas, c'est un frère, une soeur. Ouais, c'est un frère. Bismillah. Wa alaykoum salam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous?
Alors, en fait, j'avais une question. Salam. Est-ce que espionner une femme pour le but de la marier, bah, qu'est-ce que vous en pensez en fait? Je n'ai pas entendu, mon frère. Est-ce que tu peux espionner une femme dans le but de la marier? Abou Mouaz, dis-nous un peu. Tu peux quoi, espionner? Ouais. Ça veut dire quoi, espionner? Ça veut dire quoi? Ouais, regarder en cachette là où elle fréquente, les endroits où elle va et joue. Parce que je viens à Hadith sur ce sujet-là. Ouais. Il y a bien Hadith. Ouais, il y a des hasards de Salaf. Il y a des hasards de Salaf qui faisaient ça, qui regardaient. Qui regardaient. Ouais, tu peux, mais maintenant, il ne faut pas que tu commences à faire le Colombo. On doit faire des choses un peu bizarres. Ils vont dire, mais c'est aussi, ils sont vraiment bizarres. C'est dans la foi, mais. C'est plus raisonnable, tu vois. Dans les limites de la bienséance. Du bon comportement. Inch'Allah. T'avais quelque chose à dire? T'avais quelque chose d'autre aussi à dire, mon frère? Je pense que. C'était la question la plus. C'est, ça me traversait à l'esprit un peu. Et du coup, c'est bon, tu peux mettre ta blouse. Tu peux mettre ta blouse de Colombo, voilà, te rassure. Tu peux mettre ta blouse de Colombo. Tu peux mettre ta blouse de Colombo. Mais n'oublie pas que Colombo, c'était pas que l'espionnage. Hein. Colombo, c'était frontal et de temps en temps, il faisait une dernière petite question. Donc en fait, il faut aussi bien questionner. Tu vois? Inch'Allah. Barakallahu mon frère. Quatre plaisirs, Vahir. Ça fait plaisir. Barakallahu fik. Quatre plaisirs, Vahir. Inch'Allah. Et ça avec vous. Arka. Alors, les frères et sœurs, envoyez les questions. Sinon, on va mettre fin au live. Pourquoi, quand les sœurs parlent de leurs droits, elles passent pour des matérialistes? Pas du tout, parce que nous, on en parle avant elle. On en parle avant. Quand elle parle de leurs droits, elle passe pour des matériels. T'as tes droits. T'as tes droits. T'as un toit. T'as à manger. T'as des vêtements. Tu veux quoi de plus? Ça y est, t'as tes droits. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, Allah. Abou Mad, il est fâché aujourd'hui. Non, mais c'est en fait, on a perdu la perception du mariage, que ce soit en polygamie ou pas, tu vois. On a perdu les règles sont plus les mêmes. En fait, c'est comme si après... Allah te donne des droits, toi, t'es là. Les droits, en fait, pour les femmes, ils sont là. Elles veulent ici, elles veulent là, tu vois. Mais c'est là vos droits, ils sont là vos droits, n'oubliez pas. Ça, c'est du plus. Après, le truc, c'est que malheureusement, regardez, tout à l'heure, on a admis, on l'a dit, sans gêne et sans complexité, sans complexe, sans rien du tout, on a admis qu'il y avait des frères qui, lorsqu'ils prenaient une deuxième, ils le prenaient avec une mauvaise intention, une intention vraiment puérile et dégradante. Moi, j'aimerais quand même que de l'autre côté, les sœurs reconnaissent qu'effectivement, il y a des sœurs qui sont matérialistes, c'est un fait. On peut pas nier cette chose-là, c'est évident. Exact. Qu'il y a des sœurs qui sont matérialistes. Alors, on ne dit pas que c'est toutes les sœurs, mais il y a des sœurs matérialistes. C'est tout. Ça, il faut l'admettre. Donc, après, maintenant, de dire, ouais, mais pourquoi à chaque fois on met les dents? En fait, on va pas avancer si nous aussi, mais pourquoi vous, quand les frères, ils veulent prendre une deuxième, vous dites tout de suite que les frères, ils sont mal intentionnés. Il y a des frères mal intentionnés. Il faut pointer et trouver une solution à ce problème. Il y a des sœurs matérialistes, bah, il faut pointer également et il faut trouver une solution à ce problème, c'est tout. Question. Si la première décède avec des enfants en bas âge, la deuxième épouse doit-elle s'en occuper? Si elle ne veut pas, qu'est-ce qu'il doit faire? Le mieux même, c'est qu'il... Moi, je pense que s'il peut les laisser avec la grand-mère maternelle... Ah bah, qu'il les garde avec normalement. Lui. De ses enfants. Non, si la femme ne veut pas. C'est pas une option. Eh ben, elle n'a pas le choix. Tu crois quoi? Je vais les jeter pour toi ou quoi? C'est mes enfants. Non, mais c'est ça, voilà le problème qu'on dit. Elle croit qu'on doit les consulter sur tout.
Tu vois, ça veut dire moi, j'ai mes enfants. Ah, mais attends, Akhi, si elle veut pas, si elle veut pas, s'il te plaît. Non, mais si elle veut pas, si elle veut pas maintenant, toi tu vas au travail, etc. On va régler ça. Non, mais en fait, c'est mes enfants. Après, dans le FIRC, franchement, j'ai pas la réponse. Regardez, je sais pas si un frère une réponse. Moi, j'ai pas la réponse si elle est obligée ou pas. Ça, je sais pas, Harlem. Mais en tout cas, franchement, on va. Comme je l'ai dit, on va mettre le côté juridique de côté. Moi, je suis vraiment étonné. D'un côté, il y a des sœurs, elles te disent qu'il faut prendre en compte le ressenti. La sœur, son mari va prendre une deuxième. Comprenez que c'est difficile pour une sœur. Mm-hmm. Et après, tu vas demander à un frère d'accepter que sa femme, elle n'accepte pas ses enfants. Mais subhanallah, on est où là? Subhanallah, tu perds ton épouse. Tu as tes enfants et ta deuxième femme, elle ne veut pas s'occuper de tes enfants. Grave. Mais voilà, c'est un truc de fou. Bah, si on tombe sur ce cas-là, là, faut penser au divorce. Franchement, moi, je sais pas quel, je sais pas quel homme pourrait supporter une femme qui te dit, moi, tes enfants, j'en veux pas. Exactement. Tes enfants, j'en veux pas. Moi, je sais pas, non, on est là. Vous connaissez le, c'est-à-dire, et après, on nous dit, on veut se marier pour Allah, on veut faire les choses pour Allah. Mais est-ce que tu connais la récompense de celle qui s'occupe d'un orphelin? Le prophète, le hadith, il est là. Il a dit, tu seras comme les deux doigts de la main avec lui au paradis. Donc, non seulement tu seras avec les deux doigts de la main avec lui au paradis, mais en plus, tu as la satisfaction de ton mari. Et la femme qui a la satisfaction de son mari, elle rentre au paradis par la porte qu'elle veut. Maintenant, c'est aux femmes de. C'est, franchement, une sœur qui réfléchit comme ça, c'est qu'elle, faut que tu l'assises là, faut que tu te recadres un peu dans tes objectifs, dans les objectifs de ta vie. Faut que tu recadres un petit peu ta perception. C'est pas une perception islamique. C'est dramatique, ça. C'est dramatique. Il y a une différence quand même entre, par exemple, un homme qui a ses enfants parce qu'il a divorcé, donc il y a toujours la mère, et l'homme qui a ses enfants parce que la mère est décédée. Pour moi, si, imaginons, j'ai deux femmes, ma première, elle meurt, j'ai mes enfants. La deuxième, elle me dit, ouais, j'en veux pas, je la divorce. Tout simplement. Ça moi, je la divorce aussi. Je la divorce. Maintenant, si tu es divorcé, là, je pourrais comprendre parce qu'elle dirait, bah, il y a leur mère. Tu vois ce que je veux dire? Je pourrais comprendre. Ça ne veut pas dire que c'est. Mais il faut un minimum, tu vois, un minimum. Là, il y a une sœur. Il y a une sœur, elle dit, j'allais me marier avec un frère qui avait déjà une femme. Avec du recul, j'ai accepté pour Allah car il avait un bon comportement. Ma famille, c'était compliqué car il n'imaginez pas cette vie pour moi. Avec le temps, ils ont fini par accepter en étant rassurés par le frère. Et juste avant le mariage, le frère a contacté la famille parce que sa première avait fait un ultimatum. Sa mère aussi lui a déconseillé la polygamie. En gros, c'était la honte devant ma famille car j'ai galéré. J'ai pas suivi le tout. C'est quoi en gros? En fait, une sœur, elle a expliqué qu'elle devait se marier avec un frère et tout. Tu vois, à la base, elle n'était pas trop chaude. Ouais. Mais elle a vu du bien chez le frère. Donc, elle a accepté de se marier en deuxième épouse. Ouais. Sa famille ne voulait pas au début. Ouais. Le frère, il est venu, il a rassuré sa famille, etc. Sa famille, ils ont fini par accepter. Et juste avant le mariage, le frère, il a refusé. Il s'est rétracté parce que sa première épouse lui a mis un ultimatum. Bah, il a pesé le pour et le contre et elle a pris le pour, c'est tout. C'est tout. Tu vas te trouver un autre, ma soeur. Aujourd'hui, Abou Mouad, Mohamed Nabi, tu as remarqué qu'Abou Mouad, lui, aujourd'hui, il est en mode Highlander. Direct. Mais aussi. C'est la vérité. Bah, aussi. Imagine la première. Mais est-ce que c'est pas une chose qu'il aurait dû faire avant d'aller voir la famille, d'essayer de les rassurer, etc. Bah, peut-être qu'il l'a fait et qu'au moment où elle a vu que c'était concret, elle a pété un câble. Non, je parle pas de sa famille à lui.
Je parle de la famille, la sœur. La première, celle qui a fait l'ultimatum. Ça se trouve, au début, elle a dit d'accord, mais quand ça s'approchait, que c'était concret, elle a pété un câble, tu vois. Ça veut dire qu'en vérité, lui, il n'était pas prêt. En vérité, il a pris la bonne décision, quoi. Pour moi, c'est clair qu'il a pris la bonne décision. Oui. Pour moi, il a pris clairement la bonne décision. Il a été droit. Après, Allah wa alam, tu vois. Mais si c'est concret, ça prend si les faits. Enfants, etc., pour une deuxième. Est-ce que ça vaut le coup, tu vois? C'est ça. Si on reste dans les faits, bah, il a raison. Toi, tu vas pas. T'es là pourquoi? Déjà, c'était ici, là, et tu veux encore aller là-haut? Exactement. Pourquoi? Bah, pourquoi? Non, frère, si déjà, tu vois, ça chauffe déjà avant même que ça commence. Pourquoi? Toi, t'as été juste. La sœur, après, peut-être, on ne sait pas, là, dans sa sagesse, peut-être ça a bloqué parce que c'était pas le bon pour la sœur. Pourtant, il y a des choses pour remettre ça à Allah, ce point de matériel là, c'est tout. Exactement. Ça s'est passé parce que voilà, ça ne devait pas se faire. Et elle trouvera mieux, Inch'Allah. C'est tout. Les frères et sœurs, il reste 3 minutes avant que ça coupe. On fait une 4e partie où on se retrouve demain pour le live sur les sœurs noires. Dites-nous là en commentaire, vite. Il reste 2-3 minutes. C'est vrai qu'il y a encore des questions. Donc, dites-nous. La personne qui veut monter dans la fosse là avec nous. Franchement, moi, j'aimerais bien une sœur qui monte dans la fosse. Hein. Et puis, dans les commentaires là, Mohamed Lamine, j'ai vu des phrases qui m'ont très, très, très choqué par rapport à la situation de l'homme, il perd sa première femme et ses enfants, ils sont là. Vas-y. On reprend en 4e, Inch'Allah.